Bienvenue à Fast and Magic. Promotion du mois, 20 euros, veste transparente. Comme ça, on ne peut pas tricher, ou alors on peut encore plus tricher. Je vous laisse avec la veste transparente. Faut la saisir, hein, cette veste transparente. Il n'en reste pas beaucoup. Un classique, de la magie des cartes, le jeu radio, c'est génial. Vous pouvez faire plein d'effets différents, d'ailleurs, jugez sur pièce. Alors, d'abord, je vous montre que toutes les cartes sont différentes, ça c'est important, hein, ça va de soi, c'est toujours intéressant de noter. Voilà, t'as bien vu, c'est parfait. Tu me dis stop quand tu veux. Stop, oups, stop là. Tu regardes ta carte. Ça y est, tu t'en souviendras bien. Et regarde bien ce que je fais, je la perds dans le jeu. C'est mon plus beau contrôle. Et maintenant, pour la retrouver, alors on peut couper, on peut mélanger, hein, bien sûr. Pour la retrouver, ça va être très simple. Je vais faire trois paquets. Tu vas me désigner un des trois paquets, celui que tu veux. Milieu. Ah, je t'ai influencé, je savais que ce serait le milieu. Et si je fais le geste magique, tu vas pas le croire, quel était le nom de ta carte? 8 de pique. Ah, non. Ah, bah si, ah, ça fonctionne. C'est pas fou, ça. Enfin, toi, t'as choisi le paquet que tu voulais, c'est dingue. Mais attends, c'est pas fini, c'est que le début. Si je mets le 8 de pique, regarde, c'est vraiment le 8 de pique, je laisse dépasser. Je prends un paquet et je l'enterre. À l'intérieur, il est presque au milieu. Je fais le geste magique qui permet de faire remonter la carte. Et la carte remonte dessus, c'est fou, c'est dingue. Mais comme tu en veux encore, je peux le faire. À l'intérieur, le 8 de pique disparaît totalement. Geste magique et bien sûr le 8. Et là, tu te dis, oui, mais enfin, vilaine, t'as que... Mais pas du tout, j'ai le 7 de pique, j'ai le roi... Enfin, j'ai toutes les cartes différentes, bien entendu. Enfin, bien entendu. Sauf que ce que je t'ai pas dit, c'est que j'étais magicienne. Parce que si tu mets le 8 de pique sur la face du jeu comme ça, là, eh ben, tu vas pas le croire. Mais en fait, j'ai que des 8 de pique, que des 8 de pique. Mais ça, c'est qu'une illusion. Mais non, qu'une illusion, tu sais pourquoi? Parce que si j'enlève le 8 de pique, j'ai juste une passe comme ça, et je peux montrer un jeu complètement différent qu'avec que des cartes différentes. C'est pas hallucinant, ça? Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Ça vous permet de faire plein d'effets différents. Là, je vous ai montré une routine, mais ça regroupe, c'est le mot que je cherchais. Regroupe plusieurs effets. Il faut vous lâcher sur ce tour-là. C'est un tour très très facile, zéro manipulation. Un classique en magie. Il faut vous ruer dessus, c'est le jeu radio. Ça existe dans ça et en bicycle aussi, si vous avez envie, pour les puristes. Hey Pascal, salut! Salut, salut! Alors, un tour de cartes, encore un tour de cartes. Et là, l'idée, tu vois, c'est que c'est. Avant de commencer, je voulais te montrer un souvenir que j'ai avec moi. C'est une carte américaine magique. Ah, chouette! D'accord. Enfin, cool. Une carte américaine n'est pas une carte classique, hein. C'est une carte bancaire. Plus intéressante. Ah, bah oui! Ça, c'est bien. Il n'y a pas trop d'argent dessus, c'est pour ça que je la montre quand même, je peux me permettre. Tiens, tu sais quoi? Tu vois, il y a des numéros gravés. Je vais te demander de penser un numéro n'importe lequel, sauf le zéro. Un chiffre. Un chiffre? Ouais. Ou un nombre. Ou un nombre. Un chiffre. Un chiffre. On alors d'accord. Chiffre. Ouais, ça y est, j'ai. Tu l'as en tête? Oh yes. Ok. C'est bon? Yes. Parfait. Tu sais ce que je vais faire? T'as un portefeuille sur toi? Ah bah non. Non, bon, non. Tu sais quoi? Alors, garde le truc. Ok, je garde. On s'en occupera. Je te garde. Toutes les cartes sont différentes. Yes. Je vais te demander, tout simplement, de me dire stop quand tu veux. Stop. Stop ici? Ouais. T'es sûr? Ouais. Tu retiens la carte. Attends. Oh yes. Ok, elle est belle. Elle est bien. J'adore. Et on vient la perdre dans le jeu. Ok. Tout à l'heure, t'as pensé à un chiffre. Tu te souviens, je t'ai dit que la carte est un petit peu magique. Oui, oui. Est-ce que pour la première fois, tu peux me dire
le chiffre auquel tu as pensé. J'ai pensé au 9. Au 9, tu es sûr? Ah oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as pensé au 9. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai acheté la carte bancaire et le jeu en même temps. Ça veut dire que normalement, il y a un lien entre les deux pour la première fois. Quelle était ta carte? 9 de cœur. N'importe quoi. Dame de cœur. J'ai un petit coup de stress. Je pensais, non, parce que je suis en 9. Ok, tu vois, la dame de cœur. Oh, yes, mais oui, c'est la dame de cœur. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'il y avait un lien et normalement, ça changeait un peu la carte. Est-ce que tu peux regarder la carte? Tu parles un peu en anglais quand même. Hein. Un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux lire maintenant ce qui est écrit gravé de l'autre côté? Oh, dingue! Your card is Queen of Hearts. Oh, l'accent. Oui! Génial! Magnifique. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Ça, c'est Credit Card. Yeah! C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine!